Nous sommes dans les vignobles de la Côte Rôti et nous sommes chez la maison Stéphane. Je suis avec Romain, qui est le fils du fondateur de la maison, Jean-Michel. Voilà, tout à fait. Alors Romain, plus précisément, nous sommes au sud de la Côte Rôti, c'est juste? Tout à fait. Voilà, nous sommes au sud de la Côte Rôti, dans la Côte Blonde. Blonde. Voilà. Donc là, on est sur un terroir granitique avec des quartz. Oui. Et donc là, nous sommes sur la cuvée Les Binardes, voilà, qui a été plantée il y a environ 40 ans. 40 ans. Voilà, tout à fait. Alors, les vins sont à base de raisins rouges. Les cépages, c'est les syrahs. Oui, tout à fait. Mais on peut ajouter aussi en 20% de viognier, c'est juste. Exactement, voilà. Donc on a la syrah et le viognier, plus la serine, oui, qui elle est un cépage autochtone de la syrah. Donc c'est la souche mère, en fait. Voilà. Oui. Et vous utilisez les bouchons réacides pour boucher vos vins, c'est juste? Exactement, oui. Voilà, on l'utilise pour tout ce qui est les condrieux et les IGP. Donc notre cuvée IGP, voilà, Syrah, Viognier, Marsanne, Roussanne. Quels sont les avantages d'avoir utilisé les bouchons pour conserver les caractéristiques aussi organoleptique oui, du vin? Alors nous on a choisi les bouchons Ardea pour la pureté des vins, voilà, et éviter justement tous ces goûts de bouchons qu'on a de plus en plus du mal à pallier. Donc on a gardé ça pour avoir la fraîcheur, la tension dans les vins et l'évolution qui est toujours égale. Très important. Ouais, toujours. Alors les vignobles sont très anciens, 40 ans. Oui, 40 ans. Donc là on est encore sur une jeune vigne, 40 ans. On a une vigne qui date, elle, de 1896, qui elle est de la vieille serine. Donc c'est une vigne qui a maintenant 120 ans. Donc là, on est vraiment sur des très vieilles vignes. Quelles sont les méthodes de production de vos vins? Alors nous, on travaille en bio depuis 1995, mmh, en nature depuis 1997. Donc voilà, on a toujours commencé comme ça. Et depuis 2017, on s'est mis en biodynamie. Oui, oui. Voilà. Vin nature. Le vin nature. Donc ça, c'est uniquement en cave. Donc oui, il n'y a aucun intrant dans tous nos vins. Voilà, pas de filtration, pas aucun intrant. C'est un concept particulier de conduire la vigne, les vignobles, respecter la nature, les sols, voilà, les sous-sols. Voilà, oui, il faut d'abord avoir une vigne saine pour avoir des vins nature propres. Ouais. Oui. Ça, tout se passe d'abord à la vigne, donc le bio est largement logique là-dedans. Romain, quelles sont les caractéristiques du Syrah en Côte Rôti, en particulier dans la Côte Blonde? Alors la Syrah dans la Côte Blonde, ça serait plutôt titré sur la finesse, l'élégance. Mmh. Voilà, c'est plutôt des vins assez délicats. Voilà, on ne cherche pas forcément le côté massif qu'on a par exemple en Côte Brune, dans l'autre partie de Côte Rôti. C'est plus tannique, plus robuste. Voilà, en Côte Brune, ça serait beaucoup plus expressif, beaucoup plus gras, beaucoup plus robuste que du coup, nous, dans la Côte Blonde, avec les granites, le quartz, c'est ce qui va nous aider à avoir cette finesse et cette élégance. Ouais. Et on a des arômes Alors, nous, ici, on est plutôt typicité violette, voilà, oui, bourgeon de cassis. Ouais, on a vraiment plutôt ces fleurs blanches. Voilà. Et puis après, quand on amène le viognier, on a un petit peu ces goûts un petit peu d'agrumes, un petit peu pêche. Voilà, ouais, qui viennent subtilement en fin de bouche. Alors, je suis curieuse de faire une petite dégustation. Ah ben, avec plaisir, avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci.